Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NHL de The Free Agent. Aujourd'hui, pour parler hockey sur glace et NHL, j'ai avec moi Jordan. Salut Jordan. Bonjour Charles, bonjour à tous. Alors Jordan, aujourd'hui, on va faire un point sur une division où en fait, il n'y a plus rien à jouer, mis à part de savoir qui finira 1, 2, 3, 4, dans quel ordre. Le quartet, c'est la division Est. La division Est où en ce début de semaine, on a eu les quatre qualifiés, ça y est, on les connaît. Donc les Capitals, les Islanders, les Penguins et les Bruins. Donc on les connaît, ça y est. Maintenant, reste à savoir dans quel ordre. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être de faire un petit bilan de cette division, des équipes qui nous ont plu, qui nous ont impressionnés et qui ont répondu présent, et puis d'autres. Et je pense que tu as déjà tous tes arguments de prêt pour les Flyers, notamment d'autres équipes qui auront peut-être déçu. Donc je ne sais pas par quoi tu veux commencer, Jordan, si tu veux commencer par les tops ou les flops, on va dire, de cette division, mais je te laisse la parole. Alors, on va être positif un petit peu dès le début, on va commencer par les tops. Donc, tout d'abord, pour faire un petit bilan concernant les quatre qualifiés, je dirais que ce n'est pas très surprenant parce que dans cette division Est, on savait que ça allait se jouer entre... Enfin, on pensait qu'en fait, ça allait se jouer entre... 5 équipes, donc les 4 là, plus les Flyers. Il s'est trouvé que finalement le cinquième invité, c'était peut-être pas les Flyers. Mais en attendant, c'est pas très surprenant de retrouver les Capitals, c'est pas très surprenant de retrouver les Bruins, ou ni les Islanders, etc. Mais en tout cas, moi, mon premier top, et c'est vrai que je pense que c'est l'équipe qui m'a le plus surpris sur cette. Division, c'est les Penguins. On avait laissé les Penguins en août avec une défaite en série éliminatoire face à des Canadiens qui apparaissaient comme presque l'équipe la plus faible des 24 équipes qualifiées. Ils avaient fait une intersaison que je trouvais, ils avaient troqué un premier round contre Kasperi Kapanen, ils avaient fait venir Cody Ceci. Moi, je trouvais qu'ils n'avaient pas forcément renforcé tant que ça leur effectif. Et ils ont eu un démarrage, je dirais, pas forcément exceptionnel et qui laissait pas présager le meilleur. Et là, au final, il leur reste quelques matchs, 2 matchs à jouer. Et là, en fait, ils sont en tout cas à la bataille avec Washington pour la première place. On se demandait si cette équipe n'était pas un peu vieillissante, si Malkin Crosby n'allait pas un petit peu avoir des difficultés à la porter. Alors, Malkin n'a malheureusement pas pu jouer toute la saison. Crosby a été beaucoup plus régulier, il a été absolument exceptionnel. Il a encore une fois sorti, je dirais, les Penguins de certains pétrins. Et surtout, contrairement à ce qu'on aurait pu se dire au vu des saisons, notamment de Kapanen et de Cody Ceci, ils ont très bien su rebondir aux Penguins. Cody Ceci est devenu un défenseur tout à fait... il a eu une très grosse progression. Il affiche un plus-minus ratio de plus 17. Donc, quand il est sur la glace, clairement, les Penguins ne prennent pas de but. Aujourd'hui, ça reste la meilleure attaque de, enfin, c'est la meilleure attaque de la ligue en nombre de buts marqués. Ils sont à 184. Alors, ils ont joué un peu plus de matchs que d'autres équipes, donc je pense qu'ils se feront rattraper d'ici là. Mais en attendant, à l'heure actuelle, ils ont quand même marqué beaucoup de buts, principalement donc grâce à Sidney Crosby, mais aussi à Guentzel, qui d'ailleurs, lui, pour le coup, je dirais presque la, enfin pas la petite déception de l'équipe, mais presque le joueur qui a le moins progressé finalement.
Et donc aujourd'hui, bah, les Penguins sont là, ils sont en... enfin, actuellement, ils sont premiers de la division. Alors, est-ce qu'ils le resteront jusqu'à la fin, je ne sais pas, mais en attendant, ils devraient rester probablement, en tout cas, premier ou deuxième. Et moi, c'est vraiment, je dirais, mon top de cette division S, parce que je ne les pensais peut-être pas suffisamment armés pour aller... Bah pour aller affronter des Capitals ou les Bruins, en fait. Ouais, et puis en plus, là, sur les derniers matchs, ils performent bien. Tu parlais de l'attaque. Je crois qu'hier, ils en collent encore 7 aux Flyers. Donc, ils arrivent aussi avec une bonne dynamique à l'approche des playoffs. Et ils auront la chance de pouvoir se reposer quand même pas mal parce que, effectivement, j'ai regardé le calendrier. Je crois que leur dernier match est dans 3-4 jours. Donc, ils vont avoir un petit peu de temps pour se reposer avant le début des playoffs. Donc, c'est aussi une bonne chose pour les Penguins. Ouais, tout à fait, effectivement, c'est sûr qu'ils vont arriver, je pense, peut-être un peu plus frais que certaines autres équipes en série. Moi, après, le seul, je dirais aujourd'hui, le seul warning, c'est que ils avaient avant Matt Murray, on savait que c'était un gardien qui pouvait, je dirais, en playoff gagner, puisqu'il l'avait déjà fait. Là, cette année, ils ont perdu Matt Murray et pour l'instant, les gardiens, donc Tristan, enfin, les gardiens font le job. Mais c'est pas des gardiens qui ont forcément beaucoup d'expérience en série. Je me demande ce que ça va donner une fois du coup qu'ils y seront. Je pense qu'en tout cas c'est aujourd'hui le point d'incertitude un peu de cette équipe, de savoir que voilà en gros comment devant le filet ça va se comporter. Très bien. Tu as un autre top par rapport à cette division? J'en ai deux autres, et donc bah, les deux autres, on va rester à New York. Je vais parler des Islanders dans un premier temps. J'adore cette équipe, je le dis. Non, mais vraiment, c'est pas vrai, tu fais des infidélités à Toronto. Non, mais en fait, pas j'aime bien l'équipe, en fait, mais j'adore la construction de cette équipe par Barry Trotz, ce qu'il en fait. Alors, elle a un collectif je dirais, qui est hyper huilé, elle est très rigoureuse, elle est très disciplinée. Aux Islanders, et même si le principal, je dirais, défaut qu'on pourrait faire aux Islanders, c'est qu'il manque parfois, alors à part Matthew Barzal, il manque un peu de talent individuel, et encore plus depuis la blessure d'Andrews Lee. Mais en effet, je trouve que, comment dire, ce qu'arrive à faire Barry Trotz avec cette équipe, c'est incroyable. Même là, pendant la trade deadline, ils ont fait venir Palmieri et Zajac, qui sont, je trouve, deux moves très intéressants dans la philosophie, parce que c'est, comment dire, c'est des joueurs d'expérience, parce qu'ils vont apporter à l'équipe, parce qu'en plus, alors en plus de ça, comment dire, cerise sur le gâteau, ils les payent pas trop cher, puisque les Devils retiennent une partie du salaire, et en plus, surtout, comment dire, ce qu'avait plus ou moins dit le staff des Islanders, c'est qu'ils voulaient ces joueurs, parce que comme ils évoluaient déjà dans l'ère métropolitaine de New York, en fait, ça les chamboulait pas trop de changer d'équipe, et à l'approche des séries, etc., c'est quelque chose qui pour eux était intéressant. Et surtout, c'est une équipe qui se construit par sa défense. Et par sa rigidité défensive, et moi je trouve en tout cas que si jamais collectivement et tactiquement elle arrive à prendre le dessus sur son adversaire en série, mais en fait elle est quasiment sûre de passer. Ouais, ça s'est vu cette saison, hein. À chaque fois que défensivement ils ont été solides, en face ça pouvait être n'importe qui, c'était super dur. Alors après, je pense que la blessure de Lee est quand même pas préjudiciable, mais ça porte un petit coup quand même. Je pense que s'ils avaient été avec lui en plus, ouais, là on aurait eu sans doute peut-être celui qui avance le plus dans l'ombre de tous pour aller au bout. Bah, effectivement, quand tu perds ton capitaine, en plus, comme parce que Andrews Lee est aussi le capitaine des Islanders, c'est jamais souhaitable, puis c'est un excellent joueur, mais c'est aussi un peu la force de cette équipe, en fait, c'est de ne pas se reposer sur des individualités comme tu peux avoir à Edmonton ou sur un duo de joueurs qui est très fort. En fait, c'est que cette équipe, en réalité, même si elle perd une pièce, si demain les Oilers perdent Connor McDavid,
Oui, c'est fini. Ouais, voilà, clairement. C'est Bon, alors, terminé. Dre Zeytal va beaucoup moins dangereux une fois qu'il n'aura pas son compère. Et C'est ça. de toute façon, ça, c'est pas là. En revanche, on a quand même vu que cette équipe, ils ont perdu Anders Lee, ils ont réussi à faire venir des éléments, et en plus, ils arrivent à. Alors, même si là, ils patinent un peu, ils arrivent toujours quand même à. Enfin, ils ont réussi à se qualifier. Je pense qu'en série, ce sera un sacré morceau. Donc non, bah vraiment, j'aime beaucoup cette équipe, c'est vraiment mon deuxième top, parce que bah justement, on se demandait, enfin, pendant la bulle, si ça n'avait pas été, est-ce qu'ils étaient allés jusqu'en finale de conférence face à Tampa, hein, si c'était pas un petit peu un Dallas bis, en fait, et que c'était une équipe qui avait bien réussi pendant la bulle, mais on ne savait pas si elle allait rebondir, etc. Et en fait, non, on a vu qu'elle a réussi à rebondir, et que bah, Barry Trotz est un fin stratège et un vrai meneur d'hommes, et qu'il arrive en fait à obtenir ce qu'il veut de ses joueurs. Tout à fait. Je te rejoins complètement là-dessus. Et enfin, mon troisième top, c'est une équipe qui malheureusement n'est pas qualifiée. Et j'aurais aimé qu'ils réussissent, mais peut-être que la marche était un peu haute pour cette année. C'est les New York Rangers. C'est pareil, moi je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Alors, évidemment, ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont Lafrenière, ils ont Keandre Miller, ils ont Adam Fox, Capo Caco. Mais c'est aussi, je trouve, au niveau, enfin, je vais pas les appeler des vétérans parce qu'ils n'ont pas non plus 35 ans, mais un Mika Zibanejad ou un Artemi Panarin qui ont maintenant commencé à avoir quelques années dans la ligue, ont eux aussi pris, en effet, je dirais, une autre dimension, ont pris aussi un certain statut dans cette équipe, en fait. Et aujourd'hui, on voit que, comment dire, ce groupe qui est en plus, parce que la plupart des joueurs sont signés pendant une certaine durée, qu'ils vont pas avoir trop de mal à protéger les joueurs clés, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être exemptés du ballotage parce que c'est encore des jeunes joueurs, donc enfin, qui sont sous le statut rookie. Et ben en fait, on voit que cette équipe, il lui manque pas grand-chose pour réussir. Moi, je sais ce qui lui manque. Enfin, je pense savoir ce qui lui manque. Je pense qu'il lui manque un deuxième joueur de centre de qualité. Et on va un petit peu en parler dans les flops avec Buffalo, mais il pourrait en retrouver un assez rapidement cet été. Si jamais, et c'est très probable d'ailleurs que Eichel puisse partir, ils auront l'argent disponible sous le plafond pour le faire venir. Et je pense que cette équipe, quand elle va gagner un petit peu en maturité, qu'elle va gagner un petit peu en expérience, que des joueurs comme Lafrenière, bah, comme Keandre Miller, etc., vont eux aussi un petit peu gagner en expérience, bah, ils vont pouvoir un peu plus aider Zibanejad, un peu plus aider Panarin, un peu plus aider Trouba, etc. Et du coup, s'ils arrivent à rajouter effectivement, je dirais un autre, enfin, je dirais un autre joueur aguerri de la ligue comme un Jack Eichel, ils vont pouvoir jouer les premiers rôles. Et en tout cas, je trouve que c'est une des équipes qui a probablement l'un des plus bels avenirs, je dirais, en tout cas dans cette division Est et dans la ligue aussi. Ouais, d'autant plus que là, on a beaucoup parlé des joueurs de champ, mais côté gardien, c'est plutôt solide aussi. Shesterkin, pardon, est plutôt pas mauvais. Ils arrivent, ils ont une base, qui est plutôt effectivement plutôt solide pour l'avenir quand même. Ces Rangers, là, ils échouent à pas forcément grand-chose. Ils ont Je pense que le gros run, le réveil, on va dire, des Bruins leur enlève, à mon avis, la qualification en playoff, parce que pendant que les Bruins performaient bien, ils ont eu leur petit coup de moins bon, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés assez vite distancés par les Bruins. Ah bah effectivement, je pense que, comment dire, je pense que les New York Rangers ont eu aussi un début de saison un petit peu Ouais, moyen. Je pas pense que facile aussi. Ouais, s'ils c'est avaient ça. peut-être aussi, comment dire, en fait, je sais pas, parce que alors après il y a eu aussi un pas mal de problèmes avec extra sportifs entre Keandre Miller, Tony D'Angelo, Panarin. oui, Et Panarin Panarin aussi, c'est aussi. vrai que j'avais oublié les petites bricoles qui lui sont arrivées. C'est ça. Mais voilà, et on a enfin, je pense que David Quinn, l'entraîneur, a un peu peut-être du mal au début à solidariser son groupe. Et malheureusement, c'est un peu des points qui leur manquent à la fin. Et aussi, un autre, mais ça, malheureusement, c'est pas de leur ressort. Peut-être que si Taylor Hall n'avait pas signé aux Bruins, l'attaque des Bruins aurait moins performé sur la fin. Et du coup, ils auraient peut-être aussi pu profiter de certains faux pas d'un des, en tout cas d'aujourd'hui, d'un des qualifiés. Ouais.
Sans Mais doute, sans doute, sans doute. Mais en bon, avec même des si. Voilà, avec des si, on refait tout. Quoi qu'il en soit, de toute façon, là, ça va leur permettre de préparer la prochaine saison, je dirais, bah, avec peut-être un peu plus de temps, etc. Et en plus, bah, la plupart des joueurs sont quand même sous contrat pendant quelques années, donc ils peuvent voir venir et ils peuvent encore continuer avec ce groupe. Et, alors, ce ne sera pas cette année, c'est peut-être un peu dommage pour les fans des Rangers, mais en tout cas, à mon avis, dès l'année prochaine, il va falloir compter dessus. Là, enfin, on en parlera peut-être après parce qu'on va dans les flops, on va quand même parler de certaines équipes qui ont été éliminées. Et donc pour la draft aussi, ça va leur peut-être aussi leur permettre de potentiellement, avec le, à mon avis, le petit pourcentage de chances qu'ils vont avoir, de récupérer quand même un tour plutôt, une place plutôt intéressante pour une équipe qui était. Alors qu'il y a eu le premier choix l'année dernière, qui a eu énormément de chances de récupérer ce premier choix, mais qui pourrait, en étant déjà assez compétitive, pouvoir rajouter un joueur peut-être de milieu, voilà, de première moitié de tableau. Alors, c'est assez compliqué parce que cette année, en tout cas, la draft class s'annonce pas exceptionnelle. Mais en même temps, il y a aussi un truc qui donne aussi un peu cette vision que la draft class n'est pas exceptionnelle, c'est que bah, beaucoup de ligues juniors n'ont pas forcément pu aller au bout, voire même démarrer. On l'a vu notamment en CHL, donc avec la Ontario Hockey League, la Ligue de hockey du Pacifique ou la Ligue de hockey junior du Québec, en fait, ils ont eu mis énormément de temps à se mettre en place. D'ailleurs, je crois que la Ligue, il me semble que c'est la Ligue d'Ontario qui n'a jamais démarré, en fait. Donc tout ça a été assez compliqué. Est-ce qu'ils retrouveront un choix de draft haut? Ils ont déjà fait le hold-up avec Kapokako une première fois où ils avaient eu le deuxième choix, puis ensuite avec Lafrenière. Je compterai pas là-dessus et c'est un peu le problème du hockey, c'est que avoir des joueurs, je dirais NHL ready, c'est pas, enfin, ce qu'on peut en sort de la draft NFL, donc pour le coup, le timing est pas Oui. mal, mais en fait c'est pas comme en NFL ou en général en NHL quand tu es drafté, tu joues pas pendant les 2-3 premières années où tu vas évoluer en ligue mineure parce que Ouais, ça se rapproche plus du baseball que ouais de la voilà NFL. exactement que du foot américain, donc je compterai pas là-dessus. Après, en revanche, alors on sait jamais, hein, peut-être qu'effectivement, ils peuvent récupérer, faire un hold-up, aller récupérer, deux ou troisième choix s'ils arrivent à être éligibles et prendre un joueur comme Owen Powers, donc qui est un des défenseurs les plus en vue et qui fait, je crois que c'est 2 mètres pour 100 kilos, quelque chose comme ça. Donc bon, lui, pour le coup, il est plutôt NHL ready, vu le physique qu'il a. Mais honnêtement, je compterai pas là-dessus pour les Rangers, mais en revanche, il me semble qu'ils ont, je crois que c'est 17 joueurs de signés sur un effectif de 23, hein, et encore quelque chose comme 20 millions sous plafond. Oui, Enfin, donc avec 20 millions, on en fait des choses en. ouais, en NHL, oui, effectivement. Donc en termes d'agents libres, potentiellement, ils peuvent Voilà, aller chercher. pour moi, en fait, je pense que, et à mon avis, je serais pas surpris que c'est peut-être. Mais d'ailleurs, en fait, même s'ils récupèrent un choix assez haut, ou pas, en fait, d'ailleurs, je sais pas, mais en tout Oui, cas, de s'ils pouvoir récupèrent les un. changer. De pouvoir les changer. Par exemple, je pense qu'une équipe comme les Sabres, les Sabres, ça peut les intéresser de récupérer des choix de draft, sachant que eux vont peut-être partir vers une énième reconstruction. Effectivement. Effectivement, effectivement. En tout cas, voilà, moi je le Ouais, ferais plus comme ça, vas-y. sachant qu'ils ont déjà un groupe jeune, qu'ils ont déjà beaucoup de jeunes, en fait. Donc je Oui, sais pas c'est ça. si, à mon avis, enfin, en tout cas, je pense qu'ils devraient plus se tourner vers de l'expérience plus que vers de la jeunesse. Eh bien, écoute, j'espère qu'ils prendront le bon chemin et j'espère que ta prophétie se réalisera dans les années à venir. Bah, en tant que fan des Rangers, donc oui, 94, ça 94, un commence. dernier titre des Rangers. Ouais, ça fait un peu long. Ça fait un petit peu long. Alors là, on a parlé des équipes qui t'ont séduite pendant cette saison régulière. Maintenant, on va parler de celles qui ont déçu. Alors, je ne sais pas par qui tu veux commencer, mais bon. Alors, on va commencer, je dirais, par celle pour laquelle, je dirais, j'avais le. Enfin, pas je nourrissais le moins d'espoir, mais je savais très bien que ça allait être une saison qui allait être compliquée. On va parler un petit peu des Devils. Ok. Donc, les Devils, ils ont drafté deux joueurs, donc Nico Hischier et Jake Hughes, alors en 2017 et en 2019, c'était deux choix de premier tour.
Malheureusement pour eux, Nico Hischier, il a été blessé une bonne partie de la saison, donc c'était quand même leur joueur phare, et ils ne l'ont pas eu. Donc forcément, ça a compliqué les choses. Et Jack Hughes, alors il avait qu'une seule saison de NHL à son actif. Là, il en a eu une deuxième. Il a été un peu meilleur, mais c'est pareil. Ça reste encore un jeune joueur. Il a besoin de gagner de l'expérience. Tu peux pas lui confier les clés d'une franchise. Et ils ont eu aussi pas mal de, je dirais, de petits contretemps avec beaucoup de Covid, avec un petit peu toutes ces expériences. Pour le coup, ils ont vraiment, enfin, la chance a vraiment joué contre eux, je dirais. Mais bon, typiquement, par exemple, un joueur comme Piqué Subban, il c'est vrai qu'en effet, il a atterri dans cette équipe et on a vraiment l'impression qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en séparer et que là, ils croisent les doigts pour que le Kraken le sélectionne. D'ailleurs, à la trade deadline, ils ont fait venir Siegenthaler, qui est aussi un jeune joueur avec un contrat assez faible, mais qui pourra faire partie des joueurs protégés. Et je ne serais pas surpris que Piqué Subban ne le soit pas. Et on a vraiment en fait l'impression que cette équipe souffre encore un petit peu de mauvaises décisions, je dirais, contractuelles qu'elle a pu prendre. Idem aussi, ils ont deux jeunes gardiens, Blackwood et Wedgwood. Moi, je me pose la question de est-ce que c'est suffisant pour être une équipe crédible pour accéder aux séries et tout simplement pour faire des bons parcours en série avec des gardiens de ce calibre. Alors bon, je leur jette pas la pierre parce que c'est pareil, ça reste encore des jeunes joueurs, ils ont que 25 ans à peu près. Mais c'est pareil, je veux dire, même un Ty Smith qui avait fait un très bon début de saison, on l'a, alors comment dire, il fait pas une mauvaise saison en soi, hein, surtout pour une première saison, mais on lui promettait, enfin il partait sur des statistiques à la Cale Makar, et au final il va finir avec 25 points, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même beaucoup moins, et on a l'impression effectivement que cette équipe elle a des jeunes prometteurs, mais qu'elle n'arrive pas toujours à en tirer le meilleur parti. C'est ce que j'avais vu parce que c'est vrai que pendant toute cette saison régulière, les Devils sont quand même passés à des heures plutôt raisonnables en France. Ils jouaient souvent assez tôt dans la soirée et je me souviens de plusieurs matchs, notamment contre les Capitals, où ils leur avaient quand même posé pas mal de problèmes. Ils jouaient très vite, c'était très rapide en transition. Ils avaient bien embêté les Capitals plus d'une fois. Mais effectivement, il y avait ce côté. Alors oui, la jeunesse, donc ils vont vite, ils sont pas forcément fatigués, mais par contre, il n'y avait pas l'expérience. Tu sentais le manque d'expérience encore de cette équipe qui était jeune. Si on fait un autre parallèle avec une équipe qui est plutôt jeune et qui a du potentiel, je pense notamment à Ottawa, où là aussi, il y a sans doute de belles choses qui vont arriver dans les années à venir. Mais les Devils, c'est pareil, et à mon avis, et comme tu l'as dit, Jordan, le début de saison avec le Covid, avec des blessures, forcément ça arrange pas. Et quand tu commences à prendre du retard, comme les Rangers, on peut faire le parallèle, forcément à la fin de la saison, quand tu comptes les points, tu les vois partir et tu te retrouves dans le mauvais wagon. Mais oui, tout à fait. Alors, en plus, en général, comment dire, passer à des heures acceptables pour la France, c'est rarement signe de, comment Oui, dire, de c'est bonne ça. santé, hein. C'était pas fort. Comment dire, non, mais oui, c'est qu'en effet, c'est une équipe jeune et je trouve enfin, aujourd'hui, en tout cas, elle paie pour apprendre et elle paie un prix assez, comment dire, assez cher. Après, pour faire comment dire, le comparatif avec Ottawa, moi, ce que j'aime dans cette équipe d'Ottawa, c'est que tu as des joueurs un peu plus expérimentés, par exemple comme Connor Brown, qui vont prendre leurs responsabilités, tu vois, et qui vont un peu montrer la voie aux jeunes, en fait. Et j'ai pas forcément toujours vu ça de la part des vétérans chez les Devils. Et Ouais, ça, non, mais c'est important, effectivement, d'avoir un encadrement un peu plus vétéran autour des jeunes. Pour moi, ça me paraît logique d'avoir ça parce que tu peux pas laisser, effectivement, des gamins de 21, 22, 23 ou 24 ans avec les clés de la franchise en leur disant, tiens, allez, maintenant, tu te débrouilles et tu nous emmènes en playoff, quoi. Et voilà, et d'autant plus qu'après, je ne comprends pas trop le staff. Alors, c'était une très bonne opération, je dirais, ce que je suppose qu'ils ont récupéré, enfin, ils ont récupéré des tours de draft. Mais en effet, moi, en fait, je trouve que les deux joueurs qui avaient vraiment ce rôle, je dirais, d'un peu de mentor, c'était du coup Zajac et Calipari. Et en fait, eh ben, ils sont partis. Enfin, ils sont partis, ils sont fait trade.
Alors, bon, au final, ils récupèrent effectivement des tours de draft, ils vont pouvoir construire, etc. Maintenant, est-ce que ça. Puis bon, peut-être qu'aussi. Enfin, il faut aussi prendre l'humain en compte. C'est quand même des joueurs qui ont beaucoup donné à la franchise. Peut-être qu'ils voulaient aussi avoir une chance d'aller gagner la Coupe Stanley. Mais du coup, c'est vrai qu'en effet, je trouve que bah, peut-être les avoir fait partir en prenant le risque de ne pas les récupérer, c'était peut-être pas la. Comment dire? Peut-être pas La le meilleure meilleur solution, move et la, le meilleur solu ouais, la meilleure solution. Mais bon, après, j'en ai fait, je m'inquiète pas forcément pour les Devils. Je pense que quand Isher va revenir en bonne forme, que bah, Hughes va gagner en expérience, s'il devrait pareil récupérer peut-être un. En tout cas, ils ont plus de chances de récupérer un bon choix. Et en plus de ça, il y a Luke Hughes, donc le frère de Jack, qui se présente cette année. Ok, en plus. En plus, du Ouais, coup, la fratrie. le troisième, voilà, parce que le deuxième est à, comment dire, est à Vancouver, Quinton. Mais voilà, donc ça peut aussi éventuellement peut-être valoir le coup, alors à voir ce qu'ils décideront. Hein. Mais en effet, ouais, ils peuvent espérer récupérer peut-être un bon choix de draft et sélectionner voilà, un bon joueur qui pourra aussi un peu s'intégrer dans ce duo avec Isher et avec Hughes. Et Ty Smith aussi, du coup, c'est un trio. Voilà. Ton deuxième flop. Alors, on va parler des Sabres, forcément, déjà parce Oui. que bah, ils ont réussi un record de 18 matchs sans victoire. Enfin, non, ils ont égalé, pardon, je ne vais pas être Ils ont mauvaise langue. égalé. Ils ont Je vais égalé. pas être mauvaise langue, ils ont égalé parce que Non, je crois que non. je crois que les Penguins l'avaient fait. Il me semble que c'était les Penguins hein, qui l'avaient fait avant, enfin, il y a pas mal d'années maintenant, parce que ça fait longtemps que les Penguins ont plus perdu 18 matchs à la suite, mais bon. Oui. Non, et c'est surtout ce qui est assez. Enfin, ils avaient un peu, je dirais, fait une free agency en grande pompe. Ils avaient changé leur general manager. Ils avaient fait venir Taylor Hall. Ils avaient fait des grosses promesses à Jack Eichel, donc leur joueur star. Genre, oui, tu vas cette année, tu verras. On va, comment dire, on va retrouver les playoffs. Ça y est, c'est bon, c'est fait. On va être une des équipes les plus offensives de la ligue. Alors. Le résultat, c'est qu'ils ont marqué 134 buts. C'est le bilan des Los Angeles. Enfin, je crois que les Los Angeles Kings dans la division Ouest sont à 133, quelque chose comme ça. Je vais vérifier en même temps. Mais oui, non, mais vraiment, Je vais vérifier en même temps. voilà. Et alors, je sais bien que c'est pas les mêmes équipes qu'ils ont affrontées, mais enfin bon, quand on affronte les Golden Knights, quand on affronte l'Avalanche, c'est pas facile de marquer non plus. Et les Kings n'étaient pas une équipe qui cette année a été réputée pour être redoutable en attaque, donc. C'est vrai qu'effectivement, avec Taylor Hall, avec Jack Eichel, on pouvait attendre mieux de Buffalo. Et c'est surtout qu'en fait, bah, cette équipe, elle part, je dirais là, elle a récupéré un premier choix de draft, enfin un choix de premier tour, pardon, pour, comment dire, bah, pour dans un trade avec Tampa. Elle a récupéré un deuxième choix donc pour Taylor Hall avec Boston. En fait, on se rend compte que bah, voilà, cette équipe va partir pour une énième reconstruction. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu les séries éliminatoires, qu'ils ont des contrats, donc celui de Hauk Posso, celui de Skinner, qui sont à plus de. Alors, je crois que Skinner, c'est 9 millions de dollars par an sur enfin, des années, en fait, et que le joueur n'a pas du tout le rendement qu'on espère de lui. Idem pour Hauk Posso, donc ils ont en plus des mauvais contrats qu'ils vont avoir du mal à se séparer. Enfin. On savait que défensivement ça allait être compliqué parce qu'en plus de ça leur duo de gardiens n'était pas exceptionnel non plus, mais on s'attendait quand même à ce que offensivement il se passe des choses, et en fait c'est pas arrivé. Et là je crains que pour les pauvres fans de Buffalo, ils repartent encore pour au moins 3-4 ans avec rien. Et si en plus Eichel, comment dire, ce qui des rumeurs se font et Oui. ce sera un peu, je dirais, le sens de l'histoire, en fait, parce que bah, Eichel avait plus ou moins dit qu'il voudrait jouer les séries au moins une fois dans sa vie. Ce qui peut se comprendre quand on est un deuxième choix C'est ça, de. quand on... Voilà, exactement. Quand on est un deuxième choix, et bah, il devrait partir, donc il devrait être lui aussi trade. Et du coup, et non, c'est vrai que, enfin, quel gâchis cette équipe, et surtout, combien de promesses à l'intersaison ils ont fait aux fans. Non tenu, et en fait c'est assez marrant parce que, comment dire, c'est le même propriétaire que les Bills, et on voit que Et c'est pourtant, vraiment, c'est pas la même réussite. Hein. ouais, pourtant c'est ni la même réussite ni la même philosophie, hein.
Donc c'est assez, enfin comment dire, on pourrait se dire que pourtant, effectivement, les proprios voudraient un petit peu, enfin comment dire, répéter la success story des Bills. Et ben visiblement ça n'y arrive pas, non. Et puis c'est un gros flop. Alors l'avantage, je dirais qu'ils ont, c'est que eux pour le coup, ils ont un des pires bilans de la ligue, donc ils devraient récupérer un choix dans le top 5 à minima. Oui, Mais j'espère pour eux quand même. ouais, je leur souhaite tous. Oh, les pauvres. Bah en plus, je crois que oui, parce qu'en plus maintenant, avec Oui, avec les les nouvelles nouveaux règles, en fait, pourcentages. sur tes Ouais. premiers, tu peux avoir que le choix 3, entre guillemets, au minimum, et du coup, quand t'es deuxième, le choix 4, etc. Donc, bon, alors, je sais pas s'ils auront le pire bilan de la ligue, parce que là, malheureusement, ils sont en train de gagner des matchs, ce qui est presque Oui, désolant. c'est ce que j'étais en train de regarder. Ils sont sur deux victoires consécutives. Bon. Non, mais attends, ils ont combien de points? Ils ont 37 points. 37 points. Anaheim est à 39. Non, c'est le pire. C'est le pire total. Oui, donc C'est le voilà. pire total. Ils ont 15 victoires, 32 défaites et 7 défaites en prolongation. Quand Anaheim est à 16, 30 et 7. Oui. A priori, il devrait être bon dernier de la ligue, à moins que d'un seul coup, ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison et qu'ils finissent deuxième. Mais bon, quand tu sais que tu peux avoir le premier choix derrière, Ouais, y a peut-être un peut-être coup ça à qui jouer en là. prend. Ouais. Et pour l'attaque, parce que du coup j'ai regardé. Donc effectivement, ils ont 134 buts et 190 contre, donc ils ont le deuxième pire total de buts encaissés de la ligue. Derrière ton troisième top, à savoir les Ouais, Flyers, ça va être. ton troisième flop, pardon, les Flyers. En attaque, eh ben, il y a pire. Donc effectivement, les Kings sont à 133, mais alors tu as les Red Wings qui sont à 118, les Blue Jackets qui sont à 126, Vancouver qui est à 123 et Anaheim qui est à 117. Oui, mais alors des charges, on sait, enfin, alors sauf pour Vancouver, mais qui fera peut-être partie de mes flops quand on fera le bilan de la division Nord. Non. Mais enfin, en fait, je veux dire, les Red Wings, les Ducks, alors bon, les Blue Jackets, les pauvres ont perdu Pierre-Luc Dubois en plein début de saison, donc puis Lainey n'a pas réussi à prendre, je dirais, à accepter la philosophie de Tortorella. Mais en effet, c'est des équipes qui, enfin, en gros, on savait qu'elles allaient être en difficulté, on savait qu'elles allaient perdre des matchs et on savait Oui, bien sûr. que. Comment dire, et on savait qu'elles n'allaient pas attaquer, enfin, ça n'allait pas être des foudres de guerre en attaque, ce qui n'est pas le cas des Buffalo, enfin, des Sabres, en tout cas, qui avaient, enfin, des Buffalo Sabres, ouais, qui avaient, en tout cas, promis autre chose. Oui, ben en plus ils faisaient partie normalement, enfin ils étaient donnés comme parmi les équipes à suivre et les équipes assez prometteuses cette saison, quoi. Et donc du coup ton flop, j'arrête pas de dire top, le dernier flop, c'est les Flyers, non? Alors bah effectivement c'est les Flyers et c'est comment dire, ça me rend très triste puisque c'était une équipe sur laquelle comment dire, j'avais fondé aussi beaucoup d'espoir, peut-être un peu trop, sûrement d'ailleurs. C'était une équipe qui avait, enfin pareil, qu'on avait laissé sur la saison 2019-2020 avec 41 victoires. Ils avaient été jusqu'en alors pas enfin le tour d'avant la finale de conférence. Donc c'est du coup les demi-finales de conférence en fait. Demi-finale. Voilà. Ouais, logique. Ils avaient perdu personne quasiment en termes de joueurs. Et donc, bah, on se disait que pas bah, forcément l'équipe était stable, elle marchait bien. Il y avait quand même peu de raisons que ça rate. Et surtout que au début, ils ont enfin comment dire, le début de saison a été tout à fait honorable. Malheureusement. Carter Hart, alors il a été sous le feu des critiques et c'est justifié parce qu'il fait une saison vraiment horrible. C'est injustifié parce qu'il n'est pas tout seul. Carter Hart, donc ça a été très compliqué pour lui. Visiblement, enfin en tout cas de ce que certains insiders ont pu dire, la relation entre donc lui et Alain Vigneault, son entraîneur, s'est extrêmement dégradée. Alain Vigneault l'a parfois forcé à jouer blessé, à jouer dans des mauvaises conditions. Il annonçait que comment dire, que Carter Hart jouerait pas, mais en fait finalement il l'alignait quand même au dernier moment, etc. La défense, ça a été
un naufrage complet de cette équipe. Je trouve que beaucoup de joueurs, enfin, en fait, alors c'est pas des jeunes joueurs, mais c'est pas non plus des vétérans, des joueurs comme des Konecny, des Frost, des Sanheim, ont pas du tout eu leur niveau de l'an dernier, et pas du tout le niveau qu'on pouvait attendre d'eux. Même, et ça me peine un peu de le dire, parce que c'est vraiment, enfin, ce joueur qui m'a fait aimer les Maple Leafs et qui m'a fait aimer le hockey, mais Van Riemsdyk, je trouve aussi, a pas non plus été au niveau. Et en fait, Giroud et Voracek étaient parfois vraiment trop seuls. Et surtout, enfin, au niveau du jeu, même quand ils avaient le contrôle du palais, mais c'était brouillon. On voyait qu'il y avait aucun projet. La gestion des lignes par Alain Vigneault était lamentable. Et le truc, c'est qu'il a signé pour 5 ans. Et alors, il a signé en 2019, et donc il est censé encore rester 3 ans de plus. Je pense qu'au niveau du coaching staff des Flyers, on va avoir pas mal de mouvements cet été. Alors, ce sera peut-être pas Alain Vigneault, mais en tout cas, ses assistants devraient, eux, être remaniés, voire poussés vers la sortie. Et en fait, je dirais les deux seuls points de satisfaction de cette équipe, alors c'est Farabee qui effectivement a, lui pour le coup, un peu progressé. Et je dirais, alors c'est un peu pas la belle histoire, mais aussi, oui, en fait, un peu la belle histoire, je dirais, de la NHL de cette année, c'est Oscar Lindblom qui a pu rejouer au hockey après sa maladie. Mais au final, non, c'est vraiment c'est la pire défense de la ligue. Je crois qu'ils ont encaissé même plus de buts que. Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant. Ils en ont encaissé 195, donc c'est voilà, le pire bilan. Plus de buts que les Sabres. Je sais pas comment ils ont fait. Bravo. belle performance. Et puis voilà, ça, en effet, enfin, on pouvait espérer mieux de cette équipe. On devait espérer mieux de cette équipe, en fait. Et c'est surtout que alors, je sais pas où vient le problème. Est-ce que c'était peut-être les joueurs qui étaient un peu en sur-régime l'an dernier et qui ont laissé présager plus que ce qu'on aurait, enfin, comment dire, que ce qu'on pouvait attendre d'eux? Est-ce que c'est Alain Vigneault qui a perdu son vestiaire? En tout cas, de ce qu'on a pu lire dans la presse, de ce qu'on a pu, etc. Je pense que effectivement, il y a un peu de ça aussi. En tout cas, enfin, mais quoi qu'il en soit, non, c'est une vraie déception. C'est le flop de la division Est, et je pense qu'ils seront en bonne position pour concourir en flop de la ligue. Mais effectivement, c'est très décevant, et malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça, et que quelle occasion manquée, quoi. Et autant, en fait, j'aurais pu penser effectivement que les Bruins ou que Pittsburgh puissent avoir quelques difficultés, mais pour moi, les Flyers, ils devaient valider leur ticket, c'était une évidence. Ça s'apparente quand même à un énorme naufrage collectif, les Flyers cette saison. Et on se souvient de la passe qu'ils avaient passée, enfin, le petit moment assez compliqué qu'ils avaient passé, où ils en avaient pris 9 à son Rangers. Là, hier soir, ils en reprennent 7. Alors bon, ils étaient déjà éliminés, donc on peut penser qu'ils ont un peu lâché l'affaire. Mais c'est dommage parce que tout le monde les voyait effectivement poursuivre sur la lancée de 2020. Et au final, gros coup d'arrêt. Alors comme tu le dis, est-ce que c'était l'arbre qui cachait la forêt? Ou est-ce que c'est plus profond que ça et est-ce que ça viendrait du coaching staff? Donc ça, je pense que l'intersaison du côté des Flyers va être un petit peu mouvementée. En fait, c'est le principal aussi souci de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que les joueurs qu'elle a sont bloqués pendant pas mal d'années, donc il faudrait les trade. Sauf que vu la saison qu'ils ont fait, c'est un peu au rabais. Donc, mis à part, en effet, au niveau du coaching staff, etc., où là, effectivement, ils vont peut-être pouvoir faire des changements, mais quels changements tu fais, avec quelles garanties derrière, quels entraîneurs aussi seront disponibles. Je sais pas, j'ai pas de... Là-dessus, malheureusement,
peux pas me prononcer sur le pari que va tenter la franchise, mais en attendant, ouais, je sais pas comment ça va se passer pour l'intersaison pour les Flyers, mais à mon avis, il y a de quoi aussi presque malheureusement s'inquiéter pour la saison prochaine. Pas facile tout ça pour Philadelphie, en effet. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette division Est, ou est-ce qu'on peut clore notre épisode? Alors, non, enfin, je pense qu'on a à peu près été assez exhaustif sur les équipes. Alors, effectivement, on n'a pas parlé des Capitals, mais bon, ils étaient archi favoris, ils sont passés, c'est Oui. logique. On n'a pas non plus parlé On parlait des Bruins, oui. des Bruins, mais bon, c'est pas, enfin, ils sont passés, c'est pareil, c'était pas Oui, c'est attendu, un mais presque. non-événement. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que c'est les deux seules équipes qu'on n'a pas mentionnées, mais en même temps, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Non, moi je trouve que c'est une division, pardon, qui a tenu toutes ses promesses. On s'attendait à des duels très relevés, on s'attendait à avoir, comment dire, à avoir une, bah ouais, un espèce de Big Five qui porte un peu cette division. Et alors, on aurait eu finalement un Big Four, mais en tout cas, non, ça a donné quelques beaux duels et c'est vrai qu'on enfin c'est une personnellement c'est une des divisions que du coup j'ai aussi le plus regardé parce que bah, en termes d'heures c'était aussi forcément C'est plus facile. une des plus je dirais friendly contrairement par exemple à la division ouest qui cette année a été Oui, complètement voilà. cauchemardesque en termes enfin, en tout cas en termes d'horaire hein, j'entends pas en Ah termes de jeu. oui, bien sûr, on parle en termes d'horaire. Les fans dans la division Ouest, vous inquiétez pas, on parle juste des horaires. Voilà, mais non, mais c'était des matchs qui étaient très plaisants et moi je trouve qu'en effet ça a été un vrai, enfin en tout cas un vrai, enfin une vraie symbiose entre équipes prometteuses, bah comme les Rangers, un peu comme les Devils, mais aussi je dirais des équipes déjà bien en place et j'ai hâte de voir qui va sortir vainqueur de cette, parce que enfin là forcément les séries vont arriver et en fait je trouve que le match-up, enfin en fait, les match-up n'ont pas grande importance parce que en fait, en tout cas, enfin, pour moi, en fait, peu importe que tu prennes, je sais pas, que tu fasses un Boston-Pittsburgh, un Boston Islanders ou un Islanders Capitals, enfin, ou ce que tu veux, en fait, pour moi, tous ces match-ups, c'est quasiment du 50-50. Ouais, c'est super Je trouve relevé, que ça va c'est. être. Ouais. Voilà, en fait, là, je trouve que c'est très dur de voir un favori, ou de se dire, voilà, bah tiens, c'est telles équipes que tu auras en finale de conférence. Et, enfin, par exemple, je veux dire, si je reprends l'exemple de la division Ouest, bon, bah, on se doute que la finale de conférence, ça va être Vegas-Colorado, enfin, sauf accident. Ouais, c'est ça. Pareil, on se doute que dans la division Nord, bon, bah, on devrait avoir Toronto, à un moment donné, dans les deux dernières équipes, enfin, en tout cas, en toute Oui. logique. A priori, oui, c'est ce qui se dessine quand même. Voilà, à l'Est, ouais, je sais pas. Ouais. Non, mais ça va être intéressant, ça va être super intéressant. En plus, bah, ça sera avec des horaires plutôt sans doute acceptables pour nous Français. Donc, ça nous promet de belles séries éliminatoires. On a fait le tour de cette division Est. Merci Jordan pour ton top et flop de cette division pour la saison régulière. On fera la même chose, hein, pour les différentes divisions dès que ce sera un petit peu tassé en termes de classement. Et je pense que, à mon avis, il y a la division centrale qui devrait peut-être pas trop tarder à livrer son verdict puisqu'il manque qu'une seule équipe entre Nashville et Dallas. Donc ça devrait on devrait faire celle-ci dans pas longtemps. Pareil pour la division Ouest, où entre Saint-Louis, les Coyotes et les Kings, ça va bientôt rendre son verdict. Donc on fera pareil, on fera le même exercice, peut-être avec des invités, qui sait, pour la division canadienne, on sait jamais. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast NHL de The Free Agent.